Aujourd'hui, on va parler d'une lecture qui est extrêmement feel good. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les gauchis et les gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de manga. Ouais. Et du coup, il s'agit de la présentation d'un manga que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, genre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il s'agit de Cette vie auprès de toi. Et restez bien jusqu'à la fin, car il y aura la présentation d'un manga par un invité. Cette vie auprès de toi est donc un manga sorti chez nous aux éditions Delcourt Tonkam, c'est ça la collection Moonlight. J'ai du mal à la collection Moonlight. Pourquoi collection Moonlight, c'est un éditeur limite. Donc c'est la collection Moonlight de Delcourt Tonkam. Il y a actuellement 4 tomes en cours en France. Il y a 5 tomes en cours au Japon. Ils sont vendus chez nous au prix de 7,99€. Et c'est par Shin Takahashi, qui est entre autres l'auteur de L'Arme Ultime. L'Arme Ultime est ça, d'accord? Ça n'a absolument rien à voir, mais genre vraiment pas. C'est pour ça que ça m'a surpris d'apprendre que c'était l'auteur de L'Arme Ultime, parce qu'en fait, vraiment, il y a un écart énorme entre les deux, mais ça prouve qu'en fait, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Voilà, et il le fait toujours très bien. Et bah du coup, de quoi parle cette vie auprès de toi? On y suit un homme appelé Riku et son fils appelé Issei, qui un jour décide de repartir de zéro. Ils décident de déménager tous les deux sur l'île de Haluta, dans la préfecture d'Okinawa, et vraiment de reprendre tout sur des bases neutres. Et quand je dis tout, c'est tout. Logement, emploi, école pour Issei, vraiment ils reprennent tout de A à Z, de zéro, de plat, de neutre, de tout ce que vous voulez. On va donc suivre cette famille qui va vivre sa vie, tout simplement, on va les suivre au quotidien. Et c'est aussi simple que ça. Si vous cherchez un manga avec de multiples rebondissements, des plot twists, des trucs à faire péter le cerveau, c'est pas le bon... Non. Non, vous n'allez pas y trouver votre compte. Cette vie auprès de toi, c'est un manga où il se passe rien, mais où en même temps, il se passe beaucoup de choses. C'est un peu confus dit comme ça, mais vous allez comprendre. C'est donc une famille, comme j'ai dit, monoparentale. Il n'y a que le père qui est présent, que Riku pour Issei. Et en fait, on y suit vraiment juste leur quotidien. Issei va avoir un nouvel environnement scolaire. Riku va monter son salon de coiffure personnel, parce qu'avant il travaillait pour un salon de coiffure. Là, vraiment, c'est son salon de coiffure à lui, de confure. Un salon de confiture, un salon de coiffure chez lui, tout ça, et il va cuire les gens du village, tout ça. C'est vraiment juste ça. C'est un slice of life dans la pure définition d'un slice of life. On y suit le quotidien d'un parent et de son enfant, et c'est tout. Et pourtant, c'est suffisant. Il n'y a rien besoin de plus. C'est un manga, comme je dis, qui fait extrêmement de bien. C'est extrêmement feel good. Même s'il y a des moments qui sont forcément un peu tristes, parce que forcément, nouvel environnement pour Issei qui a du mal avec le contact avec les autres, il est assez enfermé sur lui-même, il a vraiment des problèmes avec les liens sociaux, et d'un autre côté, il y a Riku, qui est un père qui est là pour son fils, mais qui est seul pour son fils, il n'y a personne pour l'épauler, et quand on a du mal à comprendre ce que son fils traverse, c'est compliqué de faire régner l'ordre à la maison, entre guillemets, et de comprendre. C'est tout. S'il n'y a pas besoin de plus pour en faire une histoire intéressante à suivre, parce que c'est vraiment de la vie quotidienne, pur jus. Et c'est vraiment très agréable à lire. Déjà, la relation entre Issei et Riku est vraiment très, très touchante, très attendrissante. C'est sans doute la relation père-fils la plus chou que j'ai lue dans ce genre de manga, parce qu'en vrai, il y a un lien excessivement fort entre les deux. Et ça, on le ressent dès le premier volume. Vraiment, dès que vous commencez à lire ce manga,
vous ressentez vraiment le lien qui est entre les deux. Vous ressentez vraiment que c'est le cœur du manga et que c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer. Et c'est exactement ce que vous aurez. Et en plus, les thèmes abordés sont très intéressants. Comme j'ai dit juste avant, il y a la monoparentalité, il y a le changement d'environnement. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi le fait de, d'aller habiter sur une petite île. Alors, le Japon est déjà une île de base, hein. C'est une grande île. Hein. Du coup, ils vont sur une toute petite île. Très éloigné, enfin très, vous voyez, c'est pas une île où il y a beaucoup de personnes, c'est une île en plus à la population un peu vieillissante, donc c'est vrai que c'est un changement d'environnement très radical pour Issei et Riku, mais c'est un environnement qu'ils ont choisi, enfin que Riku a choisi et que Issei a suivi forcément, c'est le père qui a décidé pour les deux, ça me paraît logique, mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose qu'on peut pas excessivement bien connaître chez nous, mais cependant c'est un thème que je trouve vraiment très intéressant parce qu'on... Comment dire? C'est très bien exploité. C'est vraiment très bien exploité, c'est très bien expliqué aussi. On en parle régulièrement dans le manga, le fait que c'est difficile d'avoir un nouvel environnement, de partir de zéro, et c'est quelque chose qui est très touchant à lire, qui est très attachant. Et je trouve que ça fait du bien, en vrai. Comme je dis, il se passe pas grand-chose, mais en vrai, on demande pas à ce qu'il se passe grand-chose dans ce manga. C'est suffisant. Vraiment, par contre, c'est vraiment... Si vraiment il faut qu'il se passe des trucs, des twists, et pour que c'est un slice of life qui vous plaît, vous n'allez pas accrocher. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas... C'est pas une lecture qui vous plaira, mais vraiment, si vous cherchez juste une lecture qui fait du bien, où l'ambiance générale est juste apaisante, et c'est un manga qu'il vous faut. Clairement. Et en plus, comme j'ai dit, c'est l'auteur de L'Arme Ultime. Et ça se voit. Voilà, esthétiquement, je trouve que ça se voit. Alors, je sais pas si vous connaissez L'Arme Ultime, du coup, mais... alors, ces dessins sont peut-être un peu moins... comment dire? Un peu moins rond, un peu moins... Disons que L'Arme Ultime, en fait, c'est son style, mais pas travaillé de la même manière. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je veux vous dire. Donc, voilà. Ça se voit que c'est l'auteur de L'Arme Ultime, mais les dessins sont pas exactement travaillés pareil. Néanmoins, c'est un dessin que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors déjà, L'Arme Ultime, c'était pour moi un immense coup de cœur à l'époque. Ça l'est toujours, hein, mais quand j'ai lu la première fois, c'était un immense coup de cœur. Et clairement, c'est un coup de cœur également. Et en fait, j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Voilà, clairement, Shin Takahashi, il fait des mangas incroyables et des mangas toujours à thématique très forte. Parce que l'air de rien, L'Arme Ultime était très fort en termes de thématique sur la guerre, sur l'utilisation des êtres humains en tant qu'armes. Et clairement, c'était un manga qui faisait pas du bien à lire, pas excessivement du bien, on va dire. Mais clairement, en fait, dans celui-ci, il utilise toujours des thèmes très forts, mais au contraire, ça fait excessivement du bien à lire. Vraiment, c'est vraiment deux contraires. L'Arme Ultime, c'est des thèmes forts, mais violents, et Cette Vie auprès de toi, c'est des thèmes forts, mais apaisants. En fait, j'aime vraiment cet auteur, parce qu'à chaque fois, quand il travaille des thèmes, il le fait jusqu'au bout, et il le fait très bien. Et vraiment, je veux lire Fragment du même auteur. Je crois que c'est Fragment. Parce qu'en fait, il est introuvable. Si quelqu'un pourrait rééditer Delcourt ton cam, vous avez réédité L'Arme Ultime dans la collection Moonlight. Il y a moyen d'avoir les autres œuvres de l'auteur. Il est... Alors là, il est 23h40 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc une autre heure, l'heure que vous voulez. Mais du coup, voilà, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et pour conclure, c'est un manga à lire absolument. C'est un manga qui fait du bien. C'est sans doute le manga qui fait le plus de bien à l'heure actuelle, si vous voulez un truc vraiment feel good et apaisant et tout doux. Et vraiment, c'est un petit bonbon. Si je devais comparer Cette Vie auprès de toi, c'est un petit bonbon sucré. Vraiment. Parce que ça fait du bien. Tout simplement. Et maintenant, c'est l'heure de la présentation de l'invité. Et il s'agit du manga Erased par Nora-san. Hey, salut tout le monde. Je me présente, Nora-san76. Et... je suis là pour vous présenter un manga en collaboration avec Lego Shikarni. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram où je fais la présentation de différents mangas. Mais aujourd'hui on va s'attaquer au manga Erased. Erased est un seinen de Kei Sanbe, prépublié dans le magazine Young Ace de l'éditeur Kadokawa Shoten entre juin 2012 et mars 2016 et compilé en 8 volumes reliés entre juin 2013 et mai 2016. Pour la France, il est édité sous la bannière de Kiun. Nous sommes en 2006, Satoru Fujinuma
est un mangaka qui n'arrive pas à faire décoller sa carrière. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille comme livreur de pizza. Réservé, Satoru ne s'ouvre pas au monde qui l'entoure. Pourtant, il a la capacité de revenir quelques minutes en arrière avant qu'un accident ne se produise. Un jour, à la suite d'un événement soudain, Satoru est ramené 18 ans auparavant, quand il était encore à l'école primaire, lui donnant ainsi la possibilité d'arrêter un criminel qui avait enlevé et assassiné 3 de ses camarades. Ce manga a pour genre drame, mature, mystère, psychologique, romance, surnaturel, tragique, et a pour thème crime, nostalgie, police, voyage temporel. Je trouve que ce manga est parfait pour la lecture de Noël car l'ambiance s'y apprête avec l'hiver et la neige. De plus, le côté policier de cette série vous permet de vous attacher aux différents personnages. Pourquoi ne pas chercher l'assassin en même temps que notre protagoniste? C'est une raison parfaite pour une bonne soirée sous le plaid. J'ai beaucoup aimé ce manga car le genre policier surnaturel et la façon dont l'intrigue est amenée est un combo qui a su me toucher. Satoru a beaucoup de mal dans son aventure et il nous le fait ressentir. Le fait de suivre ses péripéties tout en voulant trouver qui est le coupable en même temps que lui nous fait passer les épisodes ou les tomes sans même s'en rendre compte. Je vous le conseille fortement si vous aimez ce genre-là. Merci à Legoshi Kerni pour l'invitation et moi, je vous laisse sur ces belles paroles. Et voilà, merci pour la présentation et j'espère que ça vous aura plu et que la présentation des deux œuvres vous auront plu, Erased et Cette vie auprès de toi. Alors ces deux œuvres qui n'ont absolument rien à voir. Alors je n'ai pas lu Erased, donc en fait je ne sais pas si c'est une lecture qui fait du bien ou quoi, je ne sais pas du tout. Erased, je ne saurais pas vous conseiller parce que je ne l'ai pas lu, mais je trouve ça intéressant du coup qu'il y a la présentation d'un manga que je n'ai pas lu sur la chaîne. Je trouve ça vraiment cool. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire juste en dessous. Et comme d'habitude, dites-moi si c'est un manga que vous avez lu, si c'est dans votre wishlist. Et pour Erased, pareil, parce que je l'ai pas lu, donc je vous fais confiance. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, le Discord, tout en barre d'infos descriptif juste en dessous. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Ouais, je vous agresse aujourd'hui. Et lisez des mangas. Regarde des animés, je vois des jeux vidéo, moi j'ai des pommes, ce qui est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je bouge beaucoup les paroles en fin de vidéo, coucou. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou, graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Je suis les gauchis, attendez, bougez pas. Hein. Bouge pas, je suis là. Tchou.